J'ai 24 ans, je suis ingénieur en maîtrise des énergies via la filière MDE de Polytech Nantes, diplômé en septembre 2020. Auparavant, j'avais fait un DUT mesure physique au sein de l'UT de Caen. Donc, j'ai fait mes 3 ans d'alternance au sein de RTE, le réseau de transport d'électricité. On se situe entre du coup, production, consommation, que ce soit au niveau de la production d'électricité, les centrales nucléaires. Et tout le parc de réseaux renouvelables, d'énergie renouvelable, et la consommation, que ce soit les gros industriels qu'on peut avoir du côté de Nantes, tels que Total, les chantiers de l'Atlantique ou Airbus, et monsieur et madame tout le monde via Enedis. En fait. Donc j'ai fait au sein du service commercial, j'étais au pôle raccordement, donc HTB, tout ce qui était raccordement entre du coup RTE et Enedis. Principalement, et j'ai pu faire aussi mon projet de fin d'études sur l'intégration des véhicules électriques sur la Loire Atlantique à 2035. Grâce à cette expérience, enfin cette alternance, j'ai pu rester au sein de RTE, toujours sur le site de La Chapelle à côté de Nantes. Et du coup, aujourd'hui, je suis en CDI depuis le 1er janvier. J'ai fait une liaison via un CDD, mais je suis resté au sein de l'entreprise via un CDI maintenant. Je suis parti du côté maintenance. Maintenant, je suis chargé d'études Asie, automatisme et système industriel. Et je suis plus sur la partie calcul électrotech. Donc, tout ce qui se situe au niveau des pylônes, élévation de potentiel autour des pylônes, au niveau des lignes aériennes et souterraines, HTB, du coup du réseau HTB, que ce soit induction, champ magnétique. Donc voilà, totalement différent du service commercial, même si cette expérience m'a permis d'y aller et de comprendre vraiment les enjeux de l'entreprise. Donc voilà, je réapprends, mais tout en restant dans la même entreprise. Et l'alternance m'a vraiment appris m'a permis de rester dans cette entreprise et de me développer au sein de celle-ci. J'ai choisi de devenir ingénieur parce que j'avais envie de pousser mes études au maximum et puis le poste d'ingénieur en fait m'intéressait, les missions qu'on pouvait avoir, la diversité du travail, des missions et des secteurs. Et en alternant, parce que je voulais vraiment allier la théorie qu'on avait en cours et à la pratique. Je voulais vraiment au cours des 3 ans me forger une expérience professionnelle que j'allais pas forcément avoir au sein d'un stage. Donc je voulais vraiment mettre en pratique tout ce que je pouvais apprendre à l'école au sein d'une entreprise pendant 3 ans avec des vrais projets, enfin des projets plus longs, donc plus conséquents, donc plus intéressants pour ma part. Donc l'alternance au sein du service commercial d'RTE, ça m'a vraiment aidé, développé au niveau des interactions professionnelles, aussi bien en interne de l'entreprise qu'à l'externe, d'aller voir nos clients, particulièrement Enedis comme je disais, d'échanger sur des projets, de la gestion de projets, de gérer tout ça. De travailler aussi avec Enedis sur mon projet de fin d'études qui était sur l'intégration des véhicules électriques en Loire-Atlantique à échéance 2035. Donc voilà, ça m'a aussi bien, ça m'a permis de me développer, voilà, d'échanger avec les personnes, de me développer sur ce point-là et aussi de gérer vraiment un projet de A à Z, donc de gagner en autonomie forcément, en prise d'initiative. Ça m'a vraiment permis d'évoluer, pardon. Aussi bien professionnellement forcément que personnellement, même maintenant dans la vie de tous les jours, d'être plus à l'aise, tout ça. Bah, l'intérêt en fait d'avoir fait l'alternance, c'est de connaître l'entreprise. Par exemple, il y a quelqu'un qui arrive au même moment que moi, mais qui vient d'une industrie externe à RTE. Et l'intégration est plus compliquée, rien que pour les sigles, savoir les principes, qui travaille avec qui, quel service fait quoi. Tout ça, c'est compliqué en fait. Alors que quand on a déjà fait 3 ans d'alternance sans une entreprise, même si on change d'entité, en fait, on connaît déjà, surtout en restant sur le même site comme j'ai eu la chance, j'ai juste changé de bâtiment. En fait, on a la chance de connaître la hiérarchie, de savoir l'interaction entre les services, les sigles, comment marche l'entreprise.
Donc ça, c'est vraiment par contre un avantage que j'ai pas cité avant, mais vraiment un avantage de l'alternance. Dans le métier d'ingénieur, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la gestion de projet, d'avoir des projets à gérer, de travailler avec différents services, différentes personnes, que ce soit en interne ou en externe. Enfin, c'est des projets variés, c'est pas forcément la même chose d'un service à l'autre, d'une entreprise à l'autre. On peut toujours trouver ce qui nous intéresse. C'est vraiment diversifié et au sein de mon poste actuel, justement, c'est ça, c'est beaucoup d'études, du coup, comme je disais, je suis chargé d'études. C'est d'études, mais qui peuvent très bien varier d'une étude à l'autre, que ce soit sur vraiment de l'électrique, du champ magnétique, et même dans la même catégorie d'études, en fait, la finalité n'est jamais la même. On a toujours on n'applique pas un mode opératoire, on a vraiment on prend du recul sur le projet, sur ce qu'on peut apporter, si ce qui est le mieux aussi bien pour l'entreprise, pour la personne à qui on va faire le projet. Enfin voilà, on a vraiment un apport à jouer, plutôt que de faire juste des études à la chaîne, tout ça. Enfin, vraiment, on a du recul par rapport à ça et de proposer les meilleures solutions dans l'intérêt de tout le monde, en fait. Du coup, sur les 3 ans, j'ai vraiment senti la montée en compétences et aussi le fait que les gens me faisaient confiance. Parce qu'au début, j'étais vraiment sur des petites affaires, des petits projets. Et à la fin, j'ai quand même fait un projet sur l'électromobilité, mettre toute une démarche en place, de voir tout le projet de A à Z. Et c'est en fait c'est une première, j'ai mis en place la démarche en fait pour le national. Donc un alternant voilà, qui fait ça pour les autres régions, c'est assez important ça. Donc oui, au cours des 3 ans, j'ai vraiment pris en responsabilité. Et là, dans mon nouveau poste, en fait, comme je disais, je rapprends tout parce que c'est totalement différent. Je suis vraiment beaucoup plus sur la maintenance, j'ai un peu plus la vision terrain aussi. Ce qui est intéressant aussi d'être ingénieur, mais de garder cette vision terrain, en fait, de ne pas rester dans son bureau. Moi, c'est quelque chose que j'avais besoin aussi. Où en tant qu'ingénieur, on a tendance à faire confiance, par contre, plus rapidement. Comparé à l'alternance, on guide. L'arrivée en tant qu'ingénieur, il faut être opérationnel le plus rapidement possible. Même si on réapprend, on n'est plus apprenti, on a vraiment des responsabilités. Et c'est ce qui m'intéresse de plus en plus. En fait. L'un de mes meilleurs souvenirs, ça reste au sein des 3 ans, ça reste mon stage à l'étranger. De repartir à zéro ailleurs, de revoir toute de découvrir une autre culture, un autre pays. Moi, j'ai eu la chance de le faire en Norvège, dans l'endroit le pays où je voulais vraiment le faire, à Oslo. Et en fait, c'est une découverte, c'est des paysans. Enfin, c'est vraiment on part à zéro, on réapprend tout, que ce soit sur la culture, sur comment vivre là-bas. Enfin, on n'a aucun repère. Et moi, ça a été une vraie découverte, aussi bien pour le pays, tout ça, mais même personnellement. Et puis après, dans mes bons moments, il y en a plein, mais c'est aussi les rencontres, je pense. Je suis arrivé à Polytech, je connaissais personne, je connaissais pas Saint-Nazaire. Et c'est de redécouvrir plein de personnes avec qui maintenant je reste en contact, avec qui j'ai pu faire des colloques sans forcément les connaître. C'est vraiment la découverte, que ce soit aussi bien pour mon stage, les personnes, les nouvelles matières ou autres. Pour moi, c'était vraiment de la découverte, mes 3 ans. Justement, moi, j'ai eu la chance, grâce à l'IT2I, de trouver mon alternance. Au sein de RTE, grâce au portail, grâce au salon, au forum, au speed de, au top dating. C'est peut-être grâce à eux que maintenant je suis toujours là, enfin au sein de RTE. Et après, je pense, l'IT2I aussi, ça permet, via les matières qu'ils peuvent enseigner au sein de Polytech, c'est pas forcément les matières qui nous viennent en tête directement quand on dit ingénieur. Pour moi, c'était plus vraiment la partie technique, scientifique et autres, les matières vraiment, on va dire, vraiment scientifiques. Et en fait, je le vois de plus en plus, hein, peut-être en alternance, on ne s'en rendait pas aussi autant compte, enfin, vraiment, on ne s'en rendait pas compte à ce point-là. Mais l'ingénierie, c'est pas que être ingénieur, c'est pas que faire des études techniques, scientifiques, économiques. Il y a toute la partie relationnelle, que ce soit dans l'équipe, en étant juste chargé d'études comme moi, ou aussi bien manager. En fait, à ces deux niveaux-là, le relationnel n'est pas le même. C'est des choses en fait qu'on a via des modules au sein de l'IT2I, et je pense, même si ça reste court,
on peut appréhender, même si bon, ça reste en pratique, enfin en théorie, au sein d'une journée. Mais en fait, on a des fondements pour plus tard, pour les mettre en pratique au sein de la vie professionnelle. Au cours de ces 3 ans, vu que j'étais au service commercial, j'ai pu aller voir en fait certains clients qui sont assez compliqués à aller voir. Enfin, il n'y a pas de tourisme industriel comme on peut avoir du côté de Saint-Nazaire. J'ai pu aller visiter du coup leur process. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et un deuxième souvenir aussi, qui est un peu moins gros, on va dire, mais c'est grâce à mon projet sur les véhicules électriques, on a pu aller sur le circuit des 24 heures pour un salon avec le colloque, les assises de l'automobile, sur tout ce qui était véhicule nouvelle génération, hybride, hydrogène et électrique. Et sur la pause du midi, on a pu faire, grâce au service commercial, enfin grâce au salon, on a pu faire des tours de véhicules électriques et hydrogène sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc c'est vrai que ça reste un souvenir assez, assez cool. De manière générale, je dirais ce serait d'être curieux en fait, de vraiment de poser des questions, de ne pas hésiter en fait, il n'y a pas de questions bêtes et vraiment d'être curieux. Ça permet justement de mieux comprendre le métier, de montrer qu'on est impliqué, que ce soit sur le moment instant ou même plus tard en fait, plus on fait une meilleure impression, meilleure sera la suite pour rester dans l'entreprise. Après, sur les PFE et micro-mémoire, je leur dirais un peu le conseil qu'on m'a donné, c'est de s'y prendre en avance. C'est plus compliqué à faire, mais du coup, de s'y prendre en avance, de ne pas se laisser de faire ça au dernier moment, et du coup, de s'impliquer dessus, de rester simple aussi sur le projet en fait, enfin de la restitution, d'être compréhensible en fait, de se mettre à l'extérieur et de se dire est-ce que moi je l'aurais compris, est-ce que si je suis en dehors de ce projet là je comprendrais si on me l'expliquait de telle manière. Et je pense que c'est utile pour le PFE, mais c'est aussi utile pour après, parce que je vois moi qui viens d'arriver du coup dans la partie vraiment maintenance, c'est un conseil que j'utilise toujours en fait, qu'on m'a donné mais que je garde. Le process pour vraiment sur les 2 ans pour toute la France et tout, il a fallu vraiment essayer plein de trucs, il s'est fait en plusieurs étapes. Et c'est vrai qu'en fait, un projet comme ça, on a envie de tout dire à la fois. Et c'est compliqué en fait de synthétiser sans forcément se dire, de montrer le travail qu'on a pu faire tout en synthétisant en fait. On a toujours l'impression que moins on en dit, moins on en a fait. Alors que pas forcément en fait, il faut juste rester simple, expliquer de la bonne manière. Et puis voilà, en fait, c'est comme ça.